Laisse le club prendre place, Gliss. D'accord, mais l'invité est déjà là. L'invité? Oui. Président fondateur de GNA? Exactement. Fondateur de Afrique Conscient? Exactement. Je sens justement son esprit se rapprocher, Gliss. Je crois qu'on l'a définitivement perdu. Non, on a retrouvé notre invité du jour. Sa conscience rapproche, son esprit est là. Gilles Ataï. C'est bien moi. On a un club esprit à faire. D'esprit que tu souhaites partager, et j'ai envie de dire, si vous connaissez l'homme qui est sur cette couverture, qu'est-ce qu'il veut nous dire? La chose que je veux dire ici, c'est que chacun de nous a droit au bonheur. Chacun de nous a droit de réaliser et puis après de se reposer. Je pense que malheureusement, ce que nous ne faisons pas assez, c'est que nous ne rêvons plus. Et quand nous rêvons trop petit. Il nous faut rêver grand, large, profond. La puissance. La puissance, c'est la puissance. L'homme qui valait 6 millions de dollars, c'est la première fois qu'on voyait le ralenti. Et donc quand Gilles arrivait à l'internat, il commençait la musique avec la voix, et puis allez, il commençait à marcher au ralenti. Et tout le monde a fait ça. Ça, c'était la réponse. Mais les hommes, on devrait comprendre qui commande. C'est un conseil qu'ils donnent aux plus jeunes, hein. Et à toi, Eric. Le plus tôt vous savez qui commande, le mieux c'est. Moi, avec les années, j'ai compris. Je sais qui commande. Je pense plutôt que la question est, qu'est-ce que ça fait d'être sous le feu du projecteur, alors qu'habituellement, vous êtes... en arrière en tant que communicateur. Et la réponse serait... d'esprit, je pense que j'aurais voulu créer moi-même ce concept, c'est magnifique. Je crois que c'est essentiel, ce genre de rencontre, on apprend et surtout, on a l'occasion de donner aussi. J'encourage que l'esprit à continuer de ce point de vue. Je vous remercie.